On a évité de le manquer. Pasteur Montier, je prêche pour la parole. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. La gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Je remercie le Seigneur pour l'opportunité qu'il m'a donnée pour être avec vous ce soir. Je vous rends gloire car il est notre Dieu. Amen. Amen. Je remercie Pasteur Kaouzi. Gloire à Dieu qui m'a pris une chasse. Et gloire à Dieu qui m'a invité et ce soir, je rends gloire à Dieu. Merci pour tout ce que cette assemblée a fait pour nous. Je vous demander à mon fils de venir et de saluer la gloire de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Nous allons lire dans la parole parce que nous allons aller bien vite. Et dans Ésaïe chapitre 5. Ésaïe chapitre 5. Verset. Si vous voulez vous mettre debout. Il y a quelqu'un qui a un français. Ésaïe chapitre 5, verset 1 à 7. Qui veut lire français? Si ma Bible est anglaise, là, c'est un petit peu difficile. Ésaïe 5, verset 1 jusqu'à verset 7. Je chanterai à mon bien-aimé, le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sous un poteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie
pour qu'elle soit fouettée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Verset 7. Je la réduirai en ruine, et elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront, et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elles. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils chérissaient. Ils avaient espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Je me dis alléluia. Laissons-nous prier le Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, cet après-midi. Seigneur, mon Dieu, pour ta parole, Père. Merci pour ce service. Merci, Seigneur, pour les bien-aimés qui sont avec nous. Merci, Seigneur Jésus, pour la parole, ô Dieu. Permets que cette parole, Seigneur, traverse, mon Dieu, notre cœur, nos émotions et nos pensées. Afin, Seigneur, que nous la comprenions et nous la vivons et nous vivons par elle. Père, nous te prions. Mon Dieu, aidez-nous, moins-nous, Seigneur. Mon Dieu, afin que ta puissance, Seigneur, puisse toucher les cœurs. Et mon Dieu, les cœurs, mon Dieu, puissent te servir. Nous te demandons au nom de Jésus. Laissez-nous dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Et les quelques minutes que j'ai pour parler, je vais prêcher ce soir sur la tragédie de Géasi. La tragédie de Géasi. J'aimerais dire ça ce soir à le plus gros désappointement. C'est une promesse non accomplie. Et je crois, ça m'est déjà arrivé, peut-être aussi ça vous est déjà arrivé. Quand quelqu'un vous fait promesse et que cette personne ne tient pas sa promesse. Le Seigneur a écrit ici dans Ésaïe et il a dit, Israël était comme une vigne que j'ai plantée. Et il a dit, j'ai tout fait pour Israël afin qu'il porte de bons fruits. Mais malheureusement, à chaque fois que j'attends de bons fruits, qu'est-ce qu'il m'apporte? C'est des raisins sauvages. Donc il a dit, ce que je ferai, j'abattrai la haie, la clôture, et je réduirai tout ça ensemble parce que j'ai tout fait afin qu'Israël puisse m'apporter quelque chose de valable. You know, quand j'ai lu ces versets hier après-midi, et j'ai dit, Seigneur, est-ce que ce n'est pas la même chose que tu aimerais nous dire? La Bible enseigne, quand Naaman était venu vers Élisée pour être guéri, la Bible dit, Élisée lui a été lui parlé. Il a parlé, et vous savez l'histoire, je ne vais pas rester là dans trop longtemps. Mais la Bible dit finalement, Naaman a obéi, il a été au Jourdain, et il s'était purifié. Et on dit alléluia. Et on dit alléluia. Et la Bible enseigne, quand Naaman a été guéri, il a offert à Élisée beaucoup de biens, beaucoup de choses. Nous trouvons cela dans 2 rois 5, 1 à 11. Et la Bible enseigne que Élisée ne voulait rien prendre de Naaman. Et Naaman était reparti avec tout ce qu'il avait. Et la Bible enseigne, quand Naaman est parti, Géasi courait aller rencontrer Naaman pour lui dire que son maître lui a envoyé dire, donnez-moi les choses que vous avez promis. Il a dit, je suis ici parce que mon maître m'a envoyé pour recevoir les choses qu'il ne voulait pas avoir. Donc, quand j'ai comparé ce texte avec l'attitude de Géasi, donc j'arrive à comprendre que qu'est-ce que l'Éternel pouvait faire afin que Géasi deviendrait un bon prophète. Afin que Géasi prenne la place en Élisée un jour. Et quand je lis de la parole de Dieu, j'ai cru comprendre que Géasi avait beaucoup plus d'entraînement
caractérisé. Parce que la Bible enseigne dans 2 cas de Rois 4, 8 à 12, quand Élisée était chez cette femme, et la Bible dit, elle était, cette femme était, comment dire, stérile, était stérile, et la manière qu'elle a reçu Élisée et Géasi, et Élisée sentait dans son cœur pour faire quelque chose pour cette femme. Et Élisée le dit à Géasi, qu'est-ce que je pouvais faire pour elle? Et Géasi disait à Élisée, vu qu'elle est stérile, il dit, mais est-ce que vous ne pouvez pas prier afin que cette femme eut un enfant? Et la Bible a dit, ça a été fait. La Bible enseigne, quand l'enfant était né, il grandissait, mais un jour, il était mort. Et la Bible enseigne, la femme venait vers Élisée pour lui dire, mais le fils que tu m'as donné est mort. La Bible sait que Élisée avait confié à Géasi son bâton afin qu'il aille déposer ce bâton sur cet enfant et en attendant que Élisée arrive. Donc la Bible sait que, gloire à Dieu, Élisée avait tous les entraînements possibles, et Géasi avait tous les entraînements possibles et imaginables pour devenir un bon serviteur, un bon prophète. Mais il a laissé, il n'a pas gardé sa parole. À la place qu'il suivait son maître Élisée, à la place qu'il se donnait complètement à l'enseignement d'Élisée, il a laissé que les choses du monde prennent le dessus sur sa vie. Et laissez-moi vous dire, bien-aimé, la Bible enseigne, comme Géasi a été chercher les bénédictions temporelles, matérielles, vers Naaman, et la Bible dit, l'Esprit de Dieu était sous Élisée. Et comme Géasi est retourné, il a caché ces choses, Élisée le dit à Géasi, où étais-tu? Il a dit, mais j'étais là. Il dit, non, mes yeux t'ont vu quand tu courais après le Syrien et tu as reçu de lui des choses que j'ai rejetées. Et Élisée le dit à Géasi, il a prononcé le jugement sur Géasi. Il a dit, Géasi, la lèpre de Naaman reviendra sur toi. Géasi vient d'hériter la lèpre de Naaman. Et j'ai dit, quel malheur! Quel malheur! Mais quel malheur! Quand nous sommes dans la maison de Dieu, quand nous entendons la parole de Dieu, nous entendons les enseignements de Dieu, quand nous chantons les cantiques, nous donnons la gloire à Dieu, et puis nous laissons que les choses du monde aient le dessus sur nous. Nous n'avons pas assez de courage pour rejeter les choses du monde, pour rejeter les émotions charnelles, pour rejeter ce que cette société nous présente. Laissez-moi vous dire, c'est un malheur. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais vous encourager, frères et sœurs. J'aimerais vous dire de tout mon cœur, alléluia, mais le Seigneur attend de nous, alléluia, toute notre vie. Il attend de nous tout notre cœur. Il attend de nous toute notre consécration. Il attend de nous, bien aimé, tous nos services. Alléluia. C'est pourquoi Christ est venu sur cette terre pour donner sa vie, pour mourir sur le roi du calvaire, afin qu'il trouve un peuple qui porte son nom. Je rends gloire à Dieu. Je suis parmi ce peuple qui porte le nom du Seigneur Jésus. Je suis, alléluia, je suis content, alléluia, j'ai l'onction de Dieu sur moi. J'ai la présence de Dieu dans ma vie. Laissez-moi vous dire, n'échangez pas les bénédictions de Dieu pour les choses temporelles. N'échangez pas la gloire de Dieu pour la gloire de cette terre. Alléluia, n'allez pas dans les choses temporelles afin d'abandonner la parole de Dieu. Laissez-nous dire alléluia. Laissez-nous dire alléluia. Quand j'ai dit, quel malheur. Naaman était venu lépreux, il est retourné disciple. Géasi est parti comme disciple, il est retourné lépreux. Laissez-nous dire alléluia. Laissez-nous dire alléluia. J'ai dit, Naaman a laissé derrière lui sa maladie, son argent. Géasi a pris sur lui l'argent de Naaman et la maladie de Naaman.
Qu'est-ce que je vous dis? You know, il est trop facile pour nous, peuple de Dieu, pour devenir comme Gehazi dans nos attitudes tout au sujet de la parole de Dieu. Il est trop facile d'abandonner, alléluia, notre appartenance à Dieu pour aller vers les choses de ce monde, pour suivre les choses de ce monde, afin pour que les gens puissent dire de vous que vous êtes déjà à la mode, vous êtes déjà civilisés, vous êtes déjà intelligents, parce que vous vivez comme eux, vous marchez comme eux, vous habillez comme eux. Alléluia. Bien-aimés, si vous êtes ici cet après-midi, laissez la parole de Dieu pénétrer votre vie. Laissez le Saint-Esprit ouvrir votre âme, ouvrir votre cœur. Alléluia. Vous allez donner au monde ce que vous avez et vous allez prendre ce que le monde a. Laissez-nous dire alléluia. Laissez-nous dire alléluia. Laissez-nous dire alléluia. Ce qui passe dans ce monde aujourd'hui n'est pas sans importance. Le diable sait dans quel temps nous sommes. Il connaît, il sait que son temps de Dieu n'a pas longtemps. C'est pourquoi il fait tout pour vous empêcher d'être des vrais enfants de Dieu. Laissez-nous dire alléluia. Laissez-nous dire alléluia. Levez vos mains et dites alléluia. Donnez gloire à Dieu. Donnez gloire à Dieu. Donnez gloire à Dieu. L'Éternel a dit, qu'est-ce que Dieu n'est pas fait pour Israël? Il a dit, j'ai tout fait afin qu'Israël soit un peuple pour la gloire de mon nom. Mais il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Il me désobéit tout le temps. Il ne veut pas me servir. Alléluia. Il veut des bénédictions sans service. Mais c'est pas vous dire, bien-aimé, quand Dieu vous bénit, il faut que vous le servez de tout votre cœur, de tout votre âme, de tout votre pensée, de tout votre vie. Il faut que vous vous donnez à Dieu honnêtement, sincèrement. Vous ne comprenez pas. Gehazi ne savait pas s'il jouait avec son âme. Il ne savait pas s'il jouait avec la position qu'il occupait. Bon nombre de gens ont compris l'œuvre de Satan, c'est quand ils ont perdu la grâce de Dieu. Ils commencent à pleurer. Ils commencent à être découragés quand ils ont perdu la présence de Dieu dans leur vie. Et vous pouvez venir ici chaque jour à l'hôtel. Mais si la présence de Dieu n'est pas en vous, vous travaillez pour rien, frères et sœurs. Vous travaillez pour rien. Si vous n'êtes pas en communication, en communion avec le Seigneur, vous ne faites rien. Vous êtes comme un cymbal, vous êtes comme un erré, vous êtes comme un tambour qui retentit. Vous savez, l'adoration est devenu si familier pour nous, si familier pour nous, peuple apostolique. Nous oublions, il y a quelque chose que nous oublions, que nous sommes les seuls sur la terre qui savent comment adorer le Seigneur. Nous oublions que Dieu attend, alléluia, nos louanges, que Dieu attend nos adorations, que Dieu veut entendre notre vœu, notre cri, que la parole de Dieu, que l'amour de Dieu, que la puissance de Dieu qui est en nous, alléluia, et même par nos adorations, nous retournons à Dieu ce que Dieu nous a donné. Nous retournons à Dieu ce que Dieu nous donne, frères et sœurs. Et même quand vous venez dans les services, vous n'êtes pas là pour regarder les autres, vous n'êtes pas là pour savoir, il y a un problème. Vous êtes là pour être en communion avec Dieu. Vous êtes là pour adorer l'Éternel de votre cœur, pour avoir la force, le courage pour continuer cette route. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Quand Gehazi a retourné, c'était pas le même Gehazi qui allait. Ils ont mis de se cacher, pour que Élisée ne le voyait pas. Oh, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Je ne veux pas me cacher.
Alléluia. Et même quel que soit là où je suis, je veux que la présence de Dieu, alléluia, soit avec moi. Quel que soit là où je suis, si je suis au travail, je suis en avion, je suis en bateau, je suis en dos de cheval, alléluia, je veux que la présence de Dieu soit dans ma vie, frères et sœurs. Je veux être fidèle, je veux être honnête, je veux être sincère, alléluia. Quand je crie à l'Éternel, il écoute ma voix, alléluia, gloire à Dieu. David a dit, j'implore l'Éternel, il a entendu ma voix. J'implore l'Éternel, il a écouté ma voix. Frères et sœurs, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il ne changera pas. Il ne changera pas. Alléluia, il est Dieu. Nous ne pouvons pas changer la manière que nous avions pour adorer l'Éternel. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit dans l'Apocalypse 19, verset 1er, verset 3. C'est quatre. Il dit après ces choses, j'ai entendu une grande voix disant alléluia, le salut, la gloire, la puissance est à notre Dieu, notre Seigneur. Mais cette fois, il dit encore, amen. Il crie alléluia, amen. La fumée montait, alléluia. Alléluia, la fumée montait pour toujours. Mais c'est quatre, il dit, elle est 24. Et vivant avec la vieillard, les quatre bêtes, alléluia, ils adoraient, alléluia. Laissez-moi vous dire, c'est aujourd'hui que nous devons commencer à adorer l'Éternel. C'est aujourd'hui que nous avons besoin de glorifier le Seigneur. C'est aujourd'hui que vous et moi, nous avons besoin de crier alléluia, 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 alléluia. Peut-être les gens vous prenaient comme des fous, les gens vous prenaient comme des. Ils sont venus que vous perdez votre tête. Non, et même vous savez ce que Dieu a fait pour vous. Alléluia, il a planté une vie autour. Il a planté une vie pour ta famille. Il a planté une vie dans ta vie. Il a fait des choses dans tes âmes. Il a fait des choses comme une femme. Il a fait des choses que même vos parents n'allaient pas faire. Il a pris soin de vous. Il a pris soin de vous. Parfois, alléluia, les gens pensaient que vous allez être succombés. Les gens pensaient que vous ne vivrez plus. Les gens pensaient que tout est fini. Mais mon Dieu, il t'a pris de la sang. Il t'a pris du fumier. Il t'a ouvert de l'amour. Mon Dieu ne change pas. Votre Dieu ne change pas. Et on dit alléluia. Oh, levez vos mains, peuple de Dieu. Louez l'Éternel. Yeah.
dire à l'essai. Alléluia, que les gens du monde avaient mis moi des yeux. Il a fermé son cœur, il a fermé son âme au Seigneur. Il est allé vers les choses du monde. Dans 1 Jean, la Bible dit ceci: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point dans lui. Amen. Prends ma parole. Alléluia. Alléluia. N'aimez point le monde. Ne parlez pas comme le monde. Ne vous habillez pas comme le monde. Ne suivez pas la mode d'aujourd'hui. Ne suivez pas les choses de ce monde. Mais suivez la parole. Donnez la parole de votre vie. Il faut que vous écartiez les amis. Parce que certains amis vous empêchent d'avancer. Amen. Amen. Les gens que vous pensez qui allaient vous soutenir, vous aider à avancer, ce sont eux qui vous aident à reculer. Amen. Israël, qu'est-ce que j'ai pas fait pour toi? Qu'est-ce que j'ai pas fait pour Israël? Au lieu de trouver des bonnes grappes, j'ai trouvé des réduits, des petites choses. Qu'est-ce que le Seigneur n'a fait? N'a fait. Yes. Qu'est-ce que le Seigneur n'avait pas fait pour vous? Il ne faut pas seulement le dire, mais il faut le prouver, frères et sœurs. Il ne faut pas seulement le dire, il faut le vivre. Il ne faut pas seulement le dire, il faut le pratiquer. Alléluia. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait, pasteur? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Oh. Alléluia. Soyez vous dire. Alléluia. C'est une tragédie spirituelle. Alléluia. Quand nous diminuons la gloire de Dieu dans nos assemblées. Beaucoup de fois, j'ai dit ça à tous les bien-aimés, les frères et tout, parce que je n'ai pas trouvé. Enfin, nous assemblés de 20. Tiens! J'ai dit ça pas pour ici, c'est chaud. Alléluia! 20e! Parfait! Parce que nous sommes mitigés. Nous vivons en deux mondes. Nous vivons dans un monde, nous voulons vivre dans un monde spirituel pendant que nous embrassons un monde naturel, matériel. J'ai pas dit il ne faut pas travailler. J'ai pas dit il ne faut pas chercher, you know, moyen de vivre. Mais ce que j'ai dit, mais Dieu avant toute chose. Comment bien le dire? Laissez le Seigneur soit le premier de votre vie. Laissez la parole de Dieu soit la première de votre vie. Laissez la de Dieu, l'assemblée de Dieu soit la première de votre vie. Spirituellement, nous sommes mal et nous sommes liés. Parfois nous prions, nous disons, certaines personnes est bénie et guérie. Elle ne l'est pas. Il faut trouver d'autres paroles. Mais je crois que mon Dieu est un guérisseur. Ce qu'il avait, il faisait dans les années intérieures, il est capable de le faire aujourd'hui parce qu'il ne change pas. Il est le même. Come on, bien-aimé. Come on, bien-aimé. Come on, bien-aimé. Il ne change pas. Quand les choses vont mal pour nous, il ne faut pas appeler des gens pour dire « Ah, ça va mal, que nous sommes venus à l'église. » C'est comme si vous êtes venus avec un visage, vous demandez d'avoir pitié pour vous. Avec une face bien longue.
Alléluia. Comment on aime? Alléluia. Quand ça va mal, ces gens sont mon mari de la cause. Yes.
Amen. Seigneur, alléluia. C'est les années 60. On disait pas, nous avons dit un mot de prière. Aujourd'hui, c'est let's say word of prayer. Dans les années 60, on prie. Je me souviens une fois, on était réunis pour prier. On était réunis pour prier, Pasteur Kaosi, pour la nourriture. On priait. On priait. On priait, on a oublié la nourriture, on priait, le Saint-Esprit est venu, on priait, et les frères ont ouvert les portes, nous avons une réunion, les gens sont venus, sont baptisés dans le nom de Jésus-Christ. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. S'il y a quelqu'un qui devait décourager, c'est bien moi. Tout ce que j'ai connu dans ma vie, c'est la trahison. C'est l'hypocrisie. Tout ce que j'ai connu dans ma vie. Je forme des jeunes hommes. Il y a une soeur. Il y a une soeur qui vient de dire qu'elle était mon. Allez. Je ne m'en pas. Son pasteur l'a tourné le dos. Vrai ou faux? De quoi est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il dit? Tout fait! Tout fait! Voilà, elle a dit si c'est l'âge de moi. Je suis ton maman. Comment tu es maman? Où est maman d'après nous ici? Tu vas prendre ton père ici. Oui, tu sais, qu'est-ce que tu dis? Et d'ici, si elle était au hein, elle ne serait pas ici sans nous être sans moi. Je le sauve. Comment? Comment, bien-aimé? Nous devons avoir, nous devons laisser la parole de Dieu prendre le dessus sur votre vie. Quand ça va mal, vous allez dans le pasteur. Quand il faut prier, oh, pasteur Luc, pasteur Kaosi, il va calmer. Pasteur Lionel. Pasteur Lionel, prie, tous les chrétiens prient. Mais quand pour faire d'autres choses, ils ne vont pas venir vers vous. Amen. Ils ne vont pas venir vers vous. Et même quand vous leur dites, non, ne pas faire, ils vont faire. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour Israël? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour vous? S'il y a quelqu'un dans la salle que Dieu n'a rien fait pour lui, mets-toi debout et dis-le moi. Père reproché, monsieur. Commencer une assemblée, c'est dans ton église qui voit les élèves. Oh, je dis, je ne peux pas gagner tout le monde. Parce que quand on dit, il n'y a pas, tout le monde n'est pas ensemble. S'il y a quelqu'un qui est sorti chez moi avec 5-10 personnes et qui commence une assemblée, gloire à Dieu. Amen. Hey, comment on fait ça? Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Ne laissez aucune chose. Alléluia, pour retirer et de retirer l'amour de Dieu en vous. Pour retirer ce que vous croyez. Quand Dieu connaît les hypocrisies, les doutes, je dis, écoutez, ça ne va pas me toucher. Oh non, 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 non. Alléluia, 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 alléluia. Amen. You know, il dit en créole, l'homme qui bouille, c'est la sorte qui coupe. À sa fille. Traduction. Oh, you're getting old. More you're getting sharp. Plus que vous, you know, plus que vous rentrez dans la gloire de Dieu, plus que vous cherchez la foi en Dieu, plus que vous avez la foi, le courage d'avancer avec le Seigneur. Amen. Les gens vont parler mal contre vous, ça ne pourra pas vous atteindre. Les
vous insultez, ça ne vous atteindra pas, parce que vous êtes caché dans le Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Ils vous font du corps. Quand vous êtes avec le Seigneur, parce que vous ne pouvez pas avoir d'ennemis. Les gens vous font du tort. Vous savez qu'ils vous font du tort. Vous les embrassez quand même. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia. Vous leur dites que vous, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Alléluia, alléluia. Et Géasi a pris la lettre de Naaman et il a perdu sa foi. La bénédiction de Dieu. Ne laissez pas que le monde prenne ce qui est à vous. Amen. Monsieur Jésus dit, il dit dans l'Apocalypse, Jean écrit, où as-tu fait ce que tu as, afin que personne, j'ai dit, personne ne prenne ta croix. Amen. Où as-tu fait? Amen. Où as-tu fait? Amen. On veut prendre le manteau, donne le manteau. On veut prendre la chaussure, donne-le. Amen. On veut prendre la donne-le. Ah, alléluia. J'ai quelque chose en moi que le monde ne peut me donner et le monde ne pourra pas non plus. Alléluia. J'ai quelque chose en moi. Je ne laisserai pas aux gens de prendre à votre attitude, à votre manière. Non, ouais, José. Alléluia. Non, je me donnerai de l'amour du Seigneur. Je veux marcher avec le Seigneur honnêtement, fidèlement. Je ne veux pas faire semblant. Non, je ne veux pas faire semblant. Il y a des prédicateurs qui prêchent, mais qui ne vivent pas ce qu'ils prêchent. Ce que je prêche, je le fais. Comment? Comment? Ils ont dit alléluia. Alléluia. Ils ont dit alléluia. Alléluia. Je suis allé aux États-Unis, je prêche pour les gens. Ils ne croient pas. Dans le nom de Jésus. C'était de mes amis de longue date. Mes amis de longue date. Ils ne croient pas dans la dernière unicité de Dieu. Après un service, ils feront la marche d'offrande pour moi. J'ai besoin de cet argent. J'ai besoin de cet argent. Mais je laisse la parole de Dieu parler en moi. Je dis, comptez l'argent. Je dis, comptez. Ils ont compté l'argent. Je dis, combien? 500 dollars. Je dis au pasteur, tiens, tu vas payer ton électricité avec lui. Non, 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 ça, je dis non. Je dis non. C'est pour vous. Vous savez pourquoi? Je crois parce qu'il croit. Il ne prêche pas comme je prêche. Amen. J'ai pas besoin de son argent. Comment vous faites? C'est pas correct. C'est pas honnête. Alléluia. C'est pas honnête. Alléluia. Je ne veux pas cet argent. Alléluia. Une chose de se séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Je ne veux pas que l'argent arrive en moi, avant moi, avant toute chose. Comment je vais me sentir en Haïti devant mes frères? Je les prêche, je les enseigne. Il ne faut pas vous mélanger avec la Trinitaire. Voilà, moi je reçois l'argent des Trinitaires. Amen. Comment? Amen. Comment bien aimer? Comment je vais aller chez vous pour manger avec vous que vous ne croyez pas ce que je crois? Amen. Ah, amen, amen. Ouais, ouais. Il faut dire amen aussi, hein. Vous pouvez dire mon frère, ma soeur, mon ami, si je ne crois pas ce que je crois. Je vais vous aider, mais pas de tribulation. Amen. Je vous dis alléluia. Amen. Dis alléluia. Alléluia. Vous pêchez la vérité, vous allez. Si vous n'êtes pas quoi, je vous dis, vous n'êtes pas quoi. Amen. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qu'il va faire? Enfin, nous chrétiens, nous coupons les coins. Nous sommes plus, nous avons plus d'amour que Dieu lui-même qui est l'amour.
Alléluia. Quand nous ne restons pas attachés avec ce que nous croyons, nous devenons sans vision. Amen. Sans vision. Comment bien aimé. Amen. Le Seigneur a dit à Pierre, je te donne les clés. Je te donne les clés du royaume. Ce que tu délivras sur la terre, tu l'as délié. Ce que tu liras sur la terre, tu l'as lié dans le ciel. Comment lier et délier si nous ne restons pas dans la volonté de Dieu? Amen. Amen. Nous sommes dit alléluia. Nous sommes dit alléluia. Nous devons retourner à la gloire au ciel. Ne suivez pas les groupements religieux aujourd'hui. Ne les suivez pas. Amen. Parce que notre Dieu attend nos adorations. Amen. Que vous adorez le Seigneur. Parce que c'est dans l'adoration la puissance de Dieu. Quand vous venez les frères prier pour vous et puis à la guérison. C'est pas parce qu'ils avaient la guérison de ta poche. Mais c'est la communion. La louange ensemble. La gloire de Dieu, nous implorons Dieu, c'est là qu'il a voir, il enverra sa puissance, frères et sœurs. Amen. Et dit alléluia. Amen. Le Paul et Silas étaient en prison, c'était leur chant. Leur alléluia. Quand Silas a demandé à Paul, Paul, qu'est-ce qu'on va faire? Il est minuit, nos seins, nos pieds sont dans les chaînes. Qu'est-ce qu'on va faire? Si c'est moi, j'ai dit, on va chercher une route pour sortir. Je ne suis pas comme ça, vous écrivez. Le Paul me dit à Silas, mon fils, c'est le moment de chanter un cantique. Amen. Au camp. Alléluia. C'est le moment de chanter un cantique. Alléluia. Ne perdez pas votre alléluia. Ne perdez pas votre gloire. Ne perdez pas la gloire de Dieu dans vos services. Alléluia. Si les gens ne dansent pas danser, si les gens ne courent pas courir. Et ainsi, qu'est-ce que j'ai pas fait pour toi? Qu'est-ce que j'ai pas fait pour toi? J'ai tout fait. Nous avons beaucoup de guerres ici. Dieu a fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Tenez-vous debout. Je vais repartir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Même pas commencé. Quand vous avez des fardeaux, des moments de difficulté, il ne faut pas seulement le lever. Il ne faut pas seulement le lever. Il est là, il est de votre mort. Fermez-le là et glorifiez le Seigneur. Que le peuple de Dieu le loue. Que le peuple de Dieu adore. Alléluia. 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 Parce que l'église va être ouverte. Alléluia. L'église va enlever de là. De les alléluia. Alléluia. La Bible dit, les mêmes quatre vieillards, les quatre êtres vivants, ils disaient alléluia. 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 Laissez-moi vous dire, vos alléluia vont être mêlés avec leurs alléluia. Alléluia. Ça fera un faisceau. Alléluia. Gloire à Dieu. Quel grand jour ce sera, quand nous serons autour du trône, avec nos alléluia, avec les anges, avec les séraphins, avec la cage de la cage, avec ceux qui nous ont dévancés, alléluia, et même la gloire de Dieu, la gloire.
pas. Pouvons-nous battre nous-mêmes? De choses que le Seigneur a fait. Lorsque nous arrivons dans un moment, juste un petit moment de prière, nous oublions directement ce que tu as fait. Et si nous pouvons venir vraiment dans la joie, pas dans la tristesse, pas après un message comme ça, nous allons venir en louant Dieu, en adorant Dieu. Alléluia, nous allons commencer à mettre en pratique maintenant. Nous allons venir le glorifier maintenant. Alléluia. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur, sa présence est enseignée dans la bouche de nos trois témoins. Alléluia, que la vérité soit établie. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et c'est quelqu'un peut juste se laisser dans l'adoration. Quelqu'un peut juste, alléluia, lui ouvrir son cœur. Et alléluia, lever les mains pures vers son trône. Et lui déclarer, alléluia. Oh oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur Jésus. Oh Maïaïta. Alléluia. Quelqu'un peut le louer, quelqu'un peut l'adorer, quelqu'un peut le glorifier, il la va chanter. Oh le Maya Kotamana, au Kanaba, au Kassar. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Alléluia. Perds-toi un peu dans sa présence aujourd'hui. Alléluia.
Il a tellement fait pour nous. Alléluia. Un autre peuple, mais pas nous. Alléluia. Il a tellement fait pour nous. Alléluia. Il a tellement fait pour nous. Amen. Alléluia. Il a tellement fait pour nous. Alléluia. Je ne sais pas pour vous. Je ne sais pas. C'est juste le simple fait d'être là. Il a tellement fait. Ce n'est pas que. Peut-être que vous, vous l'avez cherché. Mais ce n'est pas que je me suis privé, je l'ai cherché jour et nuit, que je fais 40 jours de jeûne enfermé. C'est seulement par sa grâce que je suis là. Ce n'est pas que je l'ai cherché, que je me suis privé. Mais laissez-moi vous dire, c'est juste par sa grâce que nous sommes là. Alléluia. Il a tellement fait. Il a tellement fait. Alléluia. Des fois, nous comptons plus nos problèmes que nous comptons nos bénédictions. Et si nous commençons juste à compter ce que Dieu a fait pour nous, ça va changer notre attitude. Ça va complètement changer notre attitude. Écoutez, il a tellement fait pour nous. Nous ne pouvons nous plaindre. Et une seule chose que nous pouvons, c'est vraiment le servir de tout cœur. Le servir de tout cœur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons le bénir encore une fois, si vous êtes là? Okay. Si vous êtes là, que vous n'êtes pas encore en ce béni dans son nom, dans les autres matins, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de l'échange, ça ne prend que votre obéissance. Si vous êtes là et que vous voulez recevoir les dons du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, ça ne prend que votre obéissance. Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. À ceux qui lui obéissent. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Il a tellement fait pour nous. Il a tellement, tellement, tellement fait pour nous. Nous ne pouvons pas tergiverser. Il a tellement fait pour nous. Serrez la main de votre voisin. Dites-lui, il a tellement fait pour moi. Il a tellement fait pour moi. Je veux juste les servir en retour. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Juste un petit défi avant de partir. Juste un petit défi avant de partir. Si nous pouvons passer juste une semaine sans nous plaindre. Quand tu as une raison de te plaindre, tu dis seulement il a tellement fait. Il a tellement fait. Quand le diable te lance une courbe, tu lui dis Dieu a tellement fait. Juste une semaine sans se plaindre. Mais juste une semaine en train de compter la grâce et les bénédictions de Dieu. Hein? Juste une semaine. Alléluia. Il a tellement fait pour nous. Alléluia. Quand le diable te dérange, tu lui dis Dieu a tellement fait.